Oh, j'ai des paillettes partout. Je me déguise en fille alors. Je me déguise en fille. Ah, tu vois pas les paillettes? Tu vas en avoir plein les mains. Maman, va, je vais laver pour enlever. Bye bye. Bye bye. Oh. Allez, qui va faire un gros câlin à Mathéo? Qui va faire un gros câlin à Mathéo? Il s'est réveillé, il veut pas. Par Amilo. Mais c'est bien, bravo, bravo. Fais gros câlin, fais gros câlin. Toi, va, toi, va pas faire gros câlin. Milo. Milo, fais gros câlin, papa, comme JJ. Fais gros câlin, papa. Viens. You want to hug JJ. You love him, hein? Moi aussi, look. I like him, I love him. Il est mon gros bébé, oh, je l'aime trop. Alors, mon petit Mathieu, t'es amorti, ne pleure pas. T'as un gros bébé. Tu t'es juste réveillé un peu plus tard que tout le monde. On t'a pas laissé tomber. Il s'est réveillé, il n'y avait personne. Ouais. DJ, oh, quoi? Bonjour, JJ. Tu as fait un gros. Je ne les ai pas ouverts, mais. Ça, c'est pour fumer nos backstage. Et oh, du coup, je vais sûrement avoir un. I want Lola Liloli, I want the toy Spider-Man, I want Papa Troué. Ok. Milo, ok. Ok pour Milo, je donne tout à Milo. Ok. Moi, je me demande juste. Oh quoi? Gagné. Il dit gagné. Qui a gagné? C'est JJ. Je mets plus en cool. Les pieds, l'argent des toits.
Avec tes jouets par milliers, n'oublie pas tes petits souliers. Inès, princesse dans son caddie, petit prince dans son caddie. Il fait froid. Milo, il a demandé le Big Donut. Elle mange un bonbon. Tu veux un bonbon? Oui. Bah, est-ce que t'es gentil pour avoir un bonbon? Oui. Oh, je sais pas ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui, t'es gentil? Oui. Ouais, je sais pas. Bon, dessert. Waouh, fais voir, Mathéo, toi aussi t'en as un. Tu veux maman l'ouvre? Maman l'ouvre? Tu vois? Waouh. Comme ça. Bon, je fais jamais de questions-réponses sur Snapchat, mais vraiment jamais. Jamais. Donc du coup, je vois beaucoup de personnes qui en font. Et du coup, n'hésitez pas à me poser quelques questions. Je vais répondre à quelques questions aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est raclette. Après un an et demi d'attente, on va manger une grosse raclette ce soir. Oh là là, je suis trop contente parce que... Le fromage, c'est la vie. Et bah là, pour le coup, fête de fin d'année, tout ça, on se fait grave plaisir. Alors Anthony, c'est un patient qui était là quand Mathéo s'est fait opérer. Il a suivi Mathéo de son jour d'opération jusqu'à sa convalescence et encore après, en fait, quand Mathéo il fait ses petits rendez-vous cardiaques. Et bien, il est tout le temps là, il vient toujours lui faire un coucou, etc. Et on a appris il y a 2 mois que Anthony était de nouveau hospitalisé. Et du coup, c'était à nous pour ce coup-ci, de prendre soin de lui. Et du coup, on est venu le voir à l'hôpital. Et ça nous a fait super plaisir. En tout cas, on a un lien assez particulier avec certains patients de l'hôpital. Certaines personnes du personnel également. Et en tout cas, on n'oubliera jamais, hein. On n'oubliera jamais tout ce qu'ils ont fait pour Mathéo et parce qu'ils ont sauvé notre petit garçon. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir l'association des Liens du Cœur présente avec nous parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés et aidés pendant tous ces moments qui étaient vraiment très difficiles. Après, on a entendu parler beaucoup aussi de l'association Petit Cœur de Beurre. C'est un peu la même chose, ils font exactement pareil. Les Liens du Cœur, il me semble qu'ils sont spécialisés donc, dans l'hôpital de Bordeaux à Aulévêque. Et ils font un super travail et ils rendent les personnes, ils leur donnent le sourire malgré les difficultés de la vie. Alors ce qu'il a, Mathéo, pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, Mathéo est né avec 2 malformations cardiaques. Une... à la naissance c'était plus grave et une un peu moins grave, donc la plus grave on l'a opérée assez 1 mois parce qu'il fallait qu'il prenne un peu de poids même si c'était très compliqué. Sa première malformation c'était une coartation, c'est un rétrécissement de l'aorte et du coup ce qui faisait qu'il était mal oxygéné dans son corps. Et la deuxième malformation, c'est une bicuspidie. Certaines personnes doivent connaître. La bicuspidie, c'est 2 valves au lieu de 3. Et on peut vivre avec toute sa vie ou se faire opérer si l'une des valves fonctionne un peu moins bien. Donc voilà, c'est pour ça que Mathéo est suivi. Il est cardiaque et il est suivi et sera suivi toute sa vie. Tous les ans, on devra faire des contrôles. Alors, pour ceux qui m'envoient des messages comme ça, sachez que qu'on soigne nos enfants à Dubaï ou en France, pardon. Pour nous, c'est exactement pareil. Nous n'utilisons pas du tout la sécurité sociale française. Nous utilisons une assurance internationale. Donc du coup, qu'on soit à Dubaï, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Londres, qu'on soit à New York, c'est exactement pareil. Et on est couvert dans le monde entier. Voilà. Merci. C'est trop gentil. Merci pour eux.
Elle fait ça bien. Mmh. Oh putain. Alors, on va voir si ça marche ou pas. Oh là là. C'est moi là. Toi, tu te mets la main au bout. Ah ouais, c'est efficace. Tout ce que j'aime. Jo, il mange en pyjama. Ah oui, je l'ai vu. Non, elle est ça. Elle peut me donner. Oui, non, mais j'ai vais vous donner du jambon. Non, je parle pas de celui-là. Ah ouais. Toi, t'as un rêve préféré. Donne la scène, parce que Seb, il se fait raqueter par Mathéo. Non, c'est bon. Maman,